Bonjour, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne Objectif Bac. Aujourd'hui, j'aurai le plaisir de vous présenter une figure de style qui est l'énumération. On va voir quel est le rôle de l'énumération dans l'amélioration de votre style. Allons-y, c'est parti. Alors, dans la présentation, on a choisi des phrases relevées dans la nouvelle La parure de Guy de Maupassant. Phrase 1. Et ils cherchèrent dans les plis de la robe, dans les plis du manteau, dans les poches, partout. B. Ils se rendirent à la préfecture de police, aux journaux, pour faire promettre une récompense aux compagnies de petites voitures, partout, en, partout enfin où un soupçon d'espoir le poussait. Alors, comment on va analyser et expliquer cette énumération Qu'est-ce que c'est que d'abord une énumération Une énumération est une figure de style très similaire à l'accumulation et qui consiste à citer, à lister plusieurs mots, expressions ou groupes de mots les uns à la suite des autres dans un but stylistique. Relevez le nombre de phrases dans chaque extrait ou dans chaque phrase. Alors, A. On a une seule phrase qui commence par une majuscule et qui se termine par un point. B, aussi, il y a une seule phrase qui contient plusieurs propositions. Deuxièmement, combien d'actions dans chaque phrase Alors, dans la première phrase, vous avez quatre actions. Alors, ils cherchèrent. Dans les plis voici la première action ils cherchèrent dans les plis du manteau deuxième action troisième action ils cherchèrent dans les poches quatrième action ils cherchèrent partout en b ils se rendit à la préfecture de police voici la première action aussi il y a ici Actions. Deuxième action, ils seront dit aux journaux pour faire promettre une récompense. Troisième action, ils seront dit aux compagnies de petites voitures. Ils seront dit partout. Enfin, ou un soupçon d'espoir, le pousser. Donc, il y a quatre actions dans chaque phrase. On peut conclure qu'une phrase peut contenir plusieurs actions. Il est le verbe employer pour rendre compte des actions racontées. Alors, dans la phrase A, vous avez le verbe chercher et dans la phrase B, vous avez le verbe se rendre. On va refaire chaque phrase en restituant le verbe qui a été éliminé dans la phrase. Alors, vous avez, et ils cherchèrent dans les plis de la robe, ils cherchèrent dans les plis du manteau, ils cherchèrent dans les poches, ils cherchèrent partout. Et pour la deuxième phrase, ils se rendit à la préfecture, de police. Il se rendit aux journaux pour faire promettre une récompense. Il se rendit aux compagnies de petites voitures. Il se rendit partout enfin où un soupçon d'espoir le poussait. Alors, vous voyez... Que dans les phrases que Guy de Maupassant a employées, il a employé dans la première phrase une seule fois il cherchait et dans la deuxième il se rendit une seule fois. Alors, cela pour éviter la répétition qui alourdit le style et aussi pour créer une impression en mettant seulement des virgules entre les lieux où ils ont cherché le collier ou la parure. Aussi, dans B, il n'y a que des virgules à la place de la répétition du verbe. Ils seront dit à la préfecture, virgule au journaux. Sous-entendu, ils seront dit aux journaux. Alors pour ne pas avoir beaucoup de répétitions et pour ne pas alourdir le style, l'auteur a évité de répéter le verbe plusieurs fois et donc à la place, il a mis seulement des virgules. C'est ce qu'on appelle l'énumération. Alors cette énumération est capable d'éviter la répétition. En plus, elle nous donne l'impression narrative. Il crée une impression dans la phrase. Quelle est cette impression qui est créée dans ces deux phrases avec l'énumération Eh bien, on sait très bien que Madame Loisel a perdu la parure dans la fête la parure ou le collier ou la rivière. C'est un collier précieux. Elle l'a emprunté de son ami. Ce n'est pas son collier. Ce n'est pas sa parure. Elle l'a emprunté d'une amie. Et comme le collier coûte, coûte très cher, car il est garni de diamants et de pierres précieuses, elle était affolée, puisqu'elle est pauvre et donc incapable de rembourser le collier elle était affolée à l'idée d'avoir perdu ce collier qui ne lui appartient pas donc l'énumération des endroits où il a cherché l'énumération des endroits où m loisel s'est rendu pour euh, demander ou pour euh, demander à la police de chercher de l'aider à chercher ce collier Elle nous montre aussi le stress de la personne, l'inquiétude, l'affolement, la peur, la panique, le désordre, le désarroi, l'agitation de Mme Loisel et de M. Loisel aussi. M. Loisel partage son inquiétude pour les mêmes raisons, parce qu'ils sont pauvres et ils ne peuvent pas rembourser ce colis. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout cela Eh bien, l'énumération est une figure de style qui consiste à lister plusieurs mots, expressions ou groupes de mots, les uns à la suite des autres, dans un but stylistique et qui ont la même catégorie grammaticale ou la même fonction syntaxique dans une même phrase c'est-à-dire l'énumération dans la première phrase, l'auteur a employé des endroits dans les plis de la robe, dans les plis du manteau, dans les poches des lieux où il peut trouver le collier. Donc, ils sont de la même catégorie grammaticale. Ces éléments... Sont la plupart du temps juxtaposées, c'est-à-dire posées les unes à côté des autres, ou coordonnées, avec un coordonnant, bien sûr, vous connaissez les coordonnants, en évitant la répétition du verbe. Alors, la phrase est construite ainsi. Le sujet plus le verbe plus plusieurs mots ou groupes de mots séparés par des virgules, évitant la répétition du verbe. Ça peut être aussi, mais on peut éviter aussi la répétition du sujet. L'énumération, alors, est utilisée aussi pour créer une impression. On peut produire, donner, faire ou causer une impression selon le contexte. Comme on a déjà vu dans les exemples précédents. Alors maintenant, je vous donne des exercices pour vous entraîner à employer cette figure de style qui est l'énumération. Alors on vous dit éviter la répétition dans les phrases suivantes en utilisant une énumération. Phrase A, il écrivit une ligne, il écrivit un texte, il écrivit deux pages. Il écrivit au total un chapitre. Alors, je crois que vous avez deviné la réponse. Il écrivit une ligne, un texte, deux pages, au total un chapitre. Phrase B. Je visitais le centre de ville, je visitais le parlement, je visitais la tour Hassan, je visitais le quartier Riyad, enfin, je visitais tout Rabat. Alors, je crois que vous avez deviné la réponse. Je visitais le centre ville, virgule, le parlement, virgule, la tour Hassan, virgule, le quartier Riyad, virgule, enfin tout rabat. Phrase C. Il cueillit une pomme. Il lava une pomme, il éplucha la pomme, enfin il mangea la pomme. La réponse est, il cueillit une pomme, la lava, l'éplucha, enfin la mangea. B. Compléter le récit suivant par une énumération d'événements pour créer une impression. Il est presque midi, je, je sortais du collège et en compagnie de mon ami Abdelma, je prenais le chemin de la maison. Tout à coup, un enfant qui conduisait une bicyclette tomba sur la chaussée. Il paraissait blessé et avait peur. Alors, je peux donner quelques événements Il, pour renforcer l'idée de peur de l'enfant et de la blessure, bien sûr. Il essaya de se lever, regarda autour de lui, pleura, cria, appela au secours. Alors on voit bien que l'enfant avait vraiment peur. Voilà pour cette séance. Si vous avez aimé ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Merci de votre attention et à très bientôt.